Alors, regarde, c'est un petit kit pour faire des monstres d'Halloween. Des chauves-souris rigolotes ou bizarres. Hello, hello, je vous retrouve de nouveau aujourd'hui pour un weekly vlog. Je vous embarque avec moi pour passer une semaine ensemble dans mon quotidien de maman entrepreneur. On commence par mardi soir, j'ai récupéré Loulou à l'école et on a eu envie de se faire un petit truc de loisir créatif. Et j'avais pris un petit kit d'Halloween avec des formes en mousse sur lesquelles on peut coller des yeux, des bouches, des petites choses, des petites étoiles, des petites chauves-souris et tout, pour se faire une petite déco d'Halloween. Et comme Loulou me tanne avec ça depuis un bon mois, eh bien on a démarré. Alors j'ai utilisé ma super colle créative et après je me suis rendu compte qu'en fait tout était autocollant, donc... on a remballé la colle et puis on est passé sur les autocollants. En tout cas, c'était une super activité, on s'est bien amusé et on en a encore à faire, donc c'est du bonheur. Mercredi, j'ai filmé des vidéos et ensuite je me suis occupée un petit peu de mes plantes, notamment de ma spider plante. Je l'avais mise en suspension et ça a été la cata puisque du coup j'ai pas suivi les arrosages aussi bien. C'est toujours en kikinant une plante qui dégouline autant de l'enlever de sa suspension pour l'arroser. Du coup, je fais des arrosages légers, pas assez fréquents. Et ben voilà, donc voilà le résultat. Donc je commence par la baigner. Là, ça va lui faire du bien d'être réhydraté, bien qu'on soit en automne. Là, je n'hésite pas à faire un bain. Et ensuite, je vais tailler toutes les parties qui ont séché, aussi bien les feuilles de la plante mère que les feuilles des petits bébés. D'ailleurs, certains sont perdus, ils se sont desséchés. Mais bon, c'est une plante qui va repartir de plus belle au printemps, donc je ne suis pas inquiète. Là, je vais la remettre plus jolie et puis ça repartira. Hello! Alors, nous sommes jeudi et jeudi, en général, je vais chez mon fournisseur de plantes pour faire du réassort pour la boutique. Donc là, bah, aujourd'hui, je vous embarque un petit peu avec moi, je suis trop contente. Par contre, je vois que c'est pas top la qualité d'image et c'est vrai qu'il me faudrait peut-être une petite caméra de vlog plus adaptée parce que là, c'est pas folichon. Mais bon, pour aujourd'hui, on va faire avec ça et puis on verra après ce que je peux faire. Voilà. Donc là, je suis trop contente de vous embarquer avec moi. Là, je vous montre un de mes coups de cœur, une Dischidia. D'ailleurs, j'en ai mis dans le shop du coup et je m'en suis même gardé une. J'ai vraiment craqué. Et puis, il y avait aussi des Caladiums, mais je sais que c'est bientôt le moment où ils vont entrer en repos. Donc voilà. Et celui-ci avait beau être magnifique, je me suis dit non, c'est peut-être pas le moment d'en mettre dans le shop. Vendredi, ce que j'ai fait de plus marquant, c'est une recette de cake au chou-fleur. C'est une recette que j'ai trouvée sur la chaîne de Marisa Isadora. Je vous mets le lien vers la vidéo en question en barre d'infos. J'adore cette recette, j'adore ce cake. Il y a beaucoup plus de chou-fleur que de farine et du coup, ça fait un truc super léger mais super bon à manger. Et puis, vous n'avez pas l'impression d'avoir rien mangé. Donc, j'aime bien faire ça de temps en temps pour les dîners. Et voilà, donc avant d'aller chercher Loulou, j'ai fait cuire le chou-fleur comme ça à la vapeur, là, dans son Nutri-Baby que j'utilise toujours en fait pour la famille. Et puis après, une fois qu'il était là, j'ai fait la recette. Alors, lui, il en profite toujours pour farfouiller dans les condiments. Il m'a fait renifler de la vanille, il trouvait que ça sentait mauvais. Loulou n'aime pas l'odeur de la vanille, tout comme l'odeur du lilas, donc aidez-moi. Voilà, donc petite recette préparée ensemble. Et voilà un superbe cake. De quoi dîner pendant deux soirs au moins, et ça, c'est juste du bonheur.
On se retrouve dimanche. Alors, un temps magnifique pour la saison. Des températures douces, un ciel bleu. C'était juste du bonheur. Du coup, on a dit, on va faire une balade en forêt. C'est le top du top. Profiter un petit peu des odeurs, de la nature. Prendre le soleil et courir un petit peu. Avec Loulou, ça finit toujours en courant. Voilà. Je trouve que c'est super important pour nous qui vivons en ville de profiter un maximum de la nature. Ça ressource vraiment, c'est la vraie vie. Et vraiment, je vous invite, dès qu'il fait beau, à sortir. Et puis des fois, nous-mêmes, quand il pleut, on met les bottes, l'imperméable, et puis go, et ça fait toujours du bien. Lundi, c'est reparti, il faut bosser et je suis super contente. J'ai enfin reçu mes nouveaux emballages pour les plantes que je vends sur l'eShop. Donc, je suis très satisfaite. Je pense que là, les plantes vont être vraiment bien protégées. Et justement, j'en profite pour vous dire, on se désinfecte régulièrement les mains quand on fait les emballages avec mon mari. Et plus tard, en fin de journée, avant d'aller chercher Loulou, j'ai pris le moment pour écrire un petit peu dans mon carnet Yes We Pages. Vous savez, j'écris une ligne par jour pendant 5 ans et comme ça, après je pourrais revoir un peu ce que j'avais ressenti un an plus tôt, ce que j'avais vécu, etc. Donc c'est aussi bien, je marque aussi bien des événements insignifiants que des choses plus importantes comme l'ouverture du shop, etc. Et j'ai hâte de faire le tour de ces petits souvenirs dans un an, deux ans, trois ans. Et puis ensuite, un petit peu de travail, j'ai commencé à préparer des contenus pour vous filmer d'autres vidéos. Donc voilà, ça c'est un petit travail nécessaire que j'aime bien faire, qui me permet de bien préparer mes vidéos. Et ce lundi ressemblait beaucoup au dimanche qu'on venait d'avoir, c'est-à-dire un temps magnifique. Alors du coup, quand je suis allée chercher Loulou, on n'est pas rentré à la maison directement. On en a profité pour aller au parc, s'amuser un petit peu au bord de l'eau. Et ça aussi, c'est du bonheur, hein. On a presque l'impression d'être au printemps, hein, avec des journées comme ça. Hello, hello! On se retrouve pour la suite de ce weekly vlog. Là, je vous prends en direct, pas en voix off. On change un petit peu. J'ai un petit projet pour mon chez moi et j'ai envie en ce moment de me faire un cocon plus chaleureux. Et donc, j'ai un petit projet et aujourd'hui, j'ai vu un truc qui m'intéresse et du coup, j'ai envie de vous en parler pour aujourd'hui. Ce sera le sujet d'aujourd'hui du weekly vlog. Alors, le projet concerne mon meuble télé que vous voyez. Celui-là, je l'ai depuis 2008, depuis que je suis arrivée à Paris. Alors, il est bien pratique, on a la place pour la télé, on pourrait même en mettre une plus grande, bien que ce soit pas notre tasse de thé. En bas, on a pu caler l'imprimante, la box, la PlayStation, qui sert pas souvent, c'est surtout si jamais on doit mettre un DVD à Loulou quand il est malade. Là, il y a des cases de rangement pour DVD, comme vous pouvez le voir, elles sont vides. De l'autre côté, pareil, alors là, on a mis des DVD pour Loulou. Mais Loulou, il regarde pas la télé, il a le droit de la regarder seulement quand il est malade, quand il est tombé ou quand il est vraiment extrêmement fatigué, genre pas de sieste après une grosse journée et tout. Et dans ce cas-là, il a droit à un petit DVD, mais le reste du temps, ça sert pas beaucoup. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir sous la main. Et sur la tablette que voici, il y a une panière. Alors ça fait pas joli du tout, donc ça me saoule. J'ai plein de petits trucs utiles, j'ai mes rouges à lèvres et j'ai des petits souvenirs de tickets de Babyland d'ailleurs. Ça faudrait que je les range en réalité, donc ça c'est une panière qui devrait trouver sa place ailleurs et autrement. Voilà, j'ai essayé de poser 2-3 trucs déco, mais c'est pas fantastique. Mon mari en a fait une annexe de son bureau, mais ça c'est pareil, ça peut pas rester comme ça. Et puis voilà, j'ai posé 2-3 trucs, mais on voit bien que là c'est le meuble abandonné. Voilà, donc celui-ci, ça fait des mois que je dis à mon mari, ouais, je sais pas, je sais plus. Voilà, donc j'ai envie de le vendre sur le bon coin et puis de passer à autre chose. Et j'ai peut-être vu des choses qui m'intéressent. En fait, ce que je voudrais, c'est un meuble un petit peu dans ce style. Je crois qu'il y a l'éclairage qui vous gêne, c'est pas grave. Un meuble dans ce style, mais ça vient de chez Maison du Monde. Je pense qu'il y a un meuble télé qui va avec.
mais je pense aussi qu'il coûte la peau des fesses. Et autant j'ai décidé d'investir pour celui-ci, et je regrette pas, ça fait des années que je l'aime toujours autant, autant je vais pas pouvoir faire pareil pour tous les meubles de la maison, donc voilà. Mais j'aimerais trouver quelque chose qui puisse aller avec ça, parce que ça j'aime bien, c'est cocooning ou quoi. J'en ai un peu, là j'ai mes belles étagères aussi un petit peu industrielles, j'adore pour les plantes, j'adorerais dans un bureau, mais pour mon intérieur, je commence à trouver que c'est pas assez cocooning en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses, le chat? Parce que moi, j'ai pas de chat, je suis une influenceuse sans chat, donc je vais sortir le gros chat en peluche de temps en temps. Il faut que je le nettoie. Un gros animal en peluche avec un enfant en bas âge, ça fait des dégâts. Voilà. Bref, voilà. Donc, pour en revenir à mon meuble télé, j'ai envie de le changer et voilà. Voilà, c'est le sujet du jour. J'ai peut-être trouvé un truc qui me plaît pour une centaine d'euros chez But. Je sais pas trop ce que ça peut donner en qualité. Faut que je tente le coup et que je commande dans ce cas-là. Attendez, je vais vous reprendre en direct. Donc, ce que je vous disais, je pense que j'ai vu un truc qui me plaît bien chez But. Après, je sais pas ce que ça va donner une fois à la maison en qualitatif. A priori, c'est du pain blanchi. Voilà, j'ai bien envie d'essayer parce que c'est pas trop cher. Ça rentre dans les dimensions qu'il faut parce que celui-ci fait 110 ou 120 de large. 120 celui-là, je crois. Il faut pas plus grand, c'est sûr. Et l'autre fait 10 cm de moins, donc ce serait OK. Et en plus, il y aurait la place pour remettre ce qu'on a en bas, peut-être l'imprimante. En tout cas, la box et la PlayStation. Ces choses-là ne servent pas beaucoup. La box, on l'allume tellement rarement que pour vous dire, l'autre jour, j'ai voulu l'allumer parce qu'il y avait un concert avec Queen à la télé. Ma belle-sœur m'a dit « Regarde et tout, parce que j'adore Freddie Mercury. » Et en fait, le temps que la box fasse les mises à jour, tellement je l'allume peu, j'ai bien cru que je verrais pas le concert et j'ai vu que la fin en fait. Voilà, donc ça nous sert pas beaucoup, mais malgré tout, de temps en temps, si on veut regarder un truc sur Netflix ou si le petit est malade, c'est quand même bien pratique d'avoir ce setup qui est prêt. Bref, voilà mon idée. Si j'y arrive, je vous montre un petit peu ce que je vise en faisant une capture de mon écran d'ordinateur, mais c'est pas dit que j'y arrive du tout. Alors finalement j'ai réussi à enregistrer mon écran, regardez, c'est ce meuble là que j'ai repéré. Alors ce qui me gêne un petit peu par contre, vous voyez, c'est du pain blanchi, donc c'est très rainuré, c'est pas du tout comme le meuble que j'ai déjà, que je vous ai montré. Donc je sais pas du tout si ça va le faire, c'est pour une centaine d'euros. Et j'ai trouvé autre chose, c'est-à-dire un petit meuble chez Ikea cette fois-ci. C'est pareil, c'est un meuble TV, c'est fait pour ça. Au niveau des dimensions, il fait 120 de longueur, donc la même chose que celui que j'ai déjà. Ça ferait le job et il est seulement à 70 €. Donc là, je suis vraiment très tentée. Je pense que ça pourrait le faire. Très franchement, là, je le sens bien celui-ci. Et puis voilà, j'espère que ce petit weekly vlog vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou à me donner vos idées en commentaire. Et puis, il est bientôt 15 h. Il est temps que je passe à autre chose. À tout bientôt en vidéo.